Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Happy new week to you and happy new month to you too. In today's video, we are going to see how to make a very beautiful cornrow on your own head. So if this makes sense to you, don't hesitate to watch the video till end and let us know what you think about it in the comment section. Thank you so much. Before we continue, let me welcome everybody that is new in this channel, everybody that has every new subscriber. Let me welcome you all. Thank you so much for coming. Thank you so much for joining us. In this channel, we learn all the time how to make your own hair at home without going to any hair salon or so. So if you are interested to know how to make your own head at home, don't hesitate to subscribe, like, and share this video to somebody that may need it also. Thank you. If this is your first time to see me, my name is Enyedi Joa, and on this channel, I share with you a lot of tips to make your own hair at home. So you are welcome once again, and feel free in this channel, feel free, leave everything you think in the comment section so that we also, or everybody that will come here, can also learn from you. As we said all the time, we are also not the perfect people here. So don't hesitate to leave what you think on the comment section. Thank you. Bonjour et bienvenue. J'espère que tu vas bien. Bienvenue encore une fois sur la chaîne Enyedi Joa et j'espère que tu as passé un bon moment, un bon week-end. Heureuse semaine à toi et aussi heureux mois d'août à toi. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais remercier tous les abonnés, les nouveaux comme anciens, tout le monde qui vient d'être nouvellement abonné, j'aimerais vous remercier énormément. C'est à cause de vous que la chaîne grandit et je ne saurais remercier. Alors, si c'est ta première fois de me découvrir, moi c'est Enyedi Joa, je suis auto-coiffeuse et sur cette chaîne, je t'apporte plein d'astuces pour te tresser toi-même ou te faire des tissages et en fait pour te coiffer toi-même à la maison sans avoir besoin d'une coiffeuse. Ou même si tu n'es pas coiffeuse, tous les astuces que je te donne ici te permettront franchement de te débrouiller toute seule à la maison. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui arriveront. Comme ça, tu n'auras raté rien sur cette chaîne. Merci. Comme tu peux le voir dans la vidéo, aujourd'hui, ça porte sur comment tresser une natte collée à la maison ou comment tresser une natte collée toute seule sur sa propre tête. Donc, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre toutes les étapes de la vidéo. C'est très important. Comme je le dis toujours, se tresser seul à la maison n'est pas quelque chose du tout facile. Mais franchement, si tu veux le faire, tu peux le faire très facilement si tu ne penses pas au stress qui est caché derrière. Se tresser seul à la maison, je peux dire que ce n'est pas quelque chose de facile parce que,
Comme vous pouvez le voir, les mèches sont en train de s'entremêler et après, c'est les cheveux qui suivent. Tout s'entremêle, c'est un peu fatigant, mais franchement, les amis, et si tu essayes une fois, tu feras la différence. Si tu aimes bien te tresser sur ta tête, tu peux me dire que c'est compliqué. Je te crois et je sais que c'est compliqué. Mais j'ai aussi commencé un peu difficilement. Mais aujourd'hui, je m'en sors pas mal. Donc, je sais que si toi aussi tu veux le faire, tu peux le faire. Essaye seulement pour la première fois et tu verras la différence. Si quelqu'un te dit que c'est difficile, tu peux lui dire que non, je l'ai déjà essayé. Comme je reçois plein de personnes sur cette chaîne qui me disent oui, je le faisais avant ou je le fais ou j'essaie encore de le faire. Oui, c'est vrai, c'est possible de le faire. L'essentiel, c'est que tu aies la volonté de le faire, que tu aies la volonté d'essayer. Franchement, ceux qui l'ont déjà fait ou ceux qui le font, bravo à vous, je vous encourage. N'arrêtez pas, n'arrêtez pas. Si vous avez envie de faire vos cheveux vous-même à la maison, n'arrêtez pas. Je sais qu'il n'y a pas de temps pour tout, mais il faut quand même joindre les deux bouts pour pouvoir trouver le temps pour ses cheveux aussi. C'est très, très important. Nous, en Afrique, ou nous les Africaines, nous savons à quel point les cheveux nous sont importants. À quel point. Alors, sur cette chaîne, ne me dis pas que tu n'es pas coiffeuse, ne me dis pas que tu n'as jamais fait les coiffures ou tu n'as jamais essayé. C'est très abordable à tout le monde. Il faut juste avoir la volonté de le faire et tu vas le réaliser. En un clin d'œil, tu verras que le premier essai est compliqué, mais le deuxième essai sera différent du premier. Voilà. Imagine un jour, tu te rends compte que tu es devenue auto-coiffeuse. Tu es devenue une coiffeuse qui arrive à prendre soin de ses propres cheveux à la maison. Imagine ce jour-là. Imagine le jour où tu vas poser tes premières tresses sur ta propre tête. Imagine le jour-là. Imagine la joie que tu auras de toi-même. Comment est-ce que tu seras très content de toi-même? Alors, si tu veux vraiment faire tes cheveux toi-même, ne regarde pas la difficulté qui est dedans, mais regarde la victoire que tu auras le jour-là. Ça va vraiment t'aider. Tu vas beaucoup épargner. Tu épargnes de l'argent. Tu épargnes du stress derrière, courir derrière des coiffeuses. Vous savez avec moi qu'ici en Allemagne ou ici en Europe, en Occident, ce n'est pas facile de trouver des coiffeuses. Et si tu trouves les coiffeuses aussi, ce n'est pas facile. Les coûts sont un peu élevés. Et donc, le jour où toi-même tu arrives à te poser des cheveux ou des tresses sur ta propre tête, imagine ce que tu pourras épargner. Alors, n'hésite pas à l'essayer. Je le dis et je le répète toujours. Se tresser seul n'est pas facile. Mais si tu es dévoué, si tu veux vraiment le faire, tu peux le faire. Franchement, tu peux le faire. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est la fin de la vidéo. Merci d'être passé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Entre-temps, porte-toi bien. À très bientôt. Bye bye. Thank you so much for watching till end. Don't hesitate to subscribe, like and share the video with family and friends. And take care of yourself. See you next time. Bye bye.